Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Alors c'est la Maëlys du passé qui parle pour le futur parce que j'en profite parce que demain je sais pas trop le temps dont je disposerai. Donc en fait je vais filmer cette partie aujourd'hui, on est donc le jeudi 22, mais ça n'apparaîtra que dans le vlog du vendredi 23 qui sera publié le samedi 24 si j'ai le temps de tout faire, pour vous montrer un petit peu les laines que j'ai. En fait, comme on est dans la pièce dans laquelle il y a mon pouf avec de la laine dedans, il n'y a pas tout, mais il y a une partie de mon stock, notamment des choses en cours. Je voulais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Je me suis dit que c'était l'occasion aussi de vous montrer mon stage de laine, mais pour les chaussettes, puisque je vous ai parlé de chaussettes, de laine à chaussettes. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en stock depuis quand même plusieurs... C'est de la laine que j'ai en gros accumulée sur, je dirais, deux ans, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est pas forcément de la laine. En dessous, j'ai des vêtements que je mets là quand je sais que je veux les mettre sur Vinted. Mais vous retrouvez donc... vous vous souvenez de cette pull? Donc vous retrouvez mon Magnolia sweater avec une manche que j'ai laissée un peu en stand-by parce que je déteste faire les manches. En fait, j'avais tricoté et j'avais aussi bloqué... Pour voir si ça s'allongeait ou pas et si je pouvais m'arrêter là. Et comme ça, je ferai la deuxième manche équivalente. Mais là, pour l'instant, ce pull-là, je l'ai laissé en stand-by. Tout comme celui-là qui date du Covid. Où en fait, c'est que du point de blé. Et pff, ouais, je sais pas. J'ai calé sur la fin et pour l'instant, je l'ai toujours pas repris. Surtout qu'aujourd'hui, quand je vois les côtes... Enfin, en plus, c'est fait en coton. Donc quand je vois les côtes, clairement je suis pas satisfaite, enfin je fais plus des côtes comme ça. Bon, écoutez. Alors voilà mon stash de laine à chaussettes. Je vais peut-être commencer. Donc celle-là, vous la reconnaissez, c'est la laine utilisée pour mes chaussettes, les samedis paillettes. Donc la première paire de chaussettes que j'ai faites où je vous ai dit que la laine avait tendance à boulocher, etc. Ça, c'est de la laine que j'ai achetée sur, je ne sais plus, c'est Cheval Blanc ou quelque chose comme ça, qui propose cette marque, qui est une marque canadienne. Et en fait, j'avais regardé sur le podcast de Sophie, donc le tricomonde de Sophie, et en fait, ça fait un coloris bleu-blanc-rouge. Et le coloris, c'est France. Donc ça, c'est un écheveau que je tricoterai pour mon amoureux. Mais en fait, il faut que je m'achète une règle à chaussettes pour pouvoir vraiment lui tricoter des chaussettes par rapport à son pied. Donc ça, c'est un écheveau que j'ai offert l'année dernière, mais que j'ai rangé dans mon stash pour être sûre de le retrouver. Ça, c'est... alors, vous n'avez pas forcément le bon coloris. Ça vient de Heidi Heidi. C'est un écheveau que j'avais acheté au CSF l'année dernière, que j'avais acheté en même temps qu'une autre laine que j'avais offerte à ma mère. C'est le coloris sienne. Donc là, évidemment, la luminosité, elle est pas ouf. Donc... c'est un peu plus rosé que ce qui apparaît en caméra. Quand j'avais acheté cette laine-là, je m'étais acheté un écheveau de cette marque, donc Louise Robert, qui est aussi une marque canadienne. Bon, vous voyez que ça, souvent, c'est des coloris que j'aime particulièrement. Ça, c'est de la laine qu'on m'a offert pour faire des chaussettes. Ça, c'est Tricot Stitch, laine de mout et tôt le matin Yarns. Donc, j'ai hâte de tester celle-là, elle est hyper douce. Après, c'est vrai que ces coloris-là, ce sont pas forcément les coloris que... qui sont dans mes préférés. En fait, moi j'aime le vert sauge, mais là c'est un vert plus... Il est beau, hein, mais c'est pas forcément des coloris vers lesquels moi j'irai forcément, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner en chaussettes. En fait, pour des chaussettes, je suis moins difficile. Ça paraît, pour des chaussettes, ça va être parfait, mais pas sûr que je tricote ça pour un pull, parce que je mets assez peu de bleu. Ça, c'est la laine que j'ai achetée, que je vous ai présentée très récemment pour servir de base à des chaussettes en jacquard.
ça pour faire des petites rayures. Ça, c'était une laine que j'avais également en stock et je vous avais présenté éventuellement ce combo-là. Et ça, je vous l'ai présenté l'année dernière. C'est une sock blanket que j'ai achetée chez Arco Iris Yarn et c'est Mystic Falls. Ni une ni connu, ça fait quand même pas mal de d'écheveaux à tricoter en sachant que pour ma chaussette, les poètes socks, il me reste ça. Alors, en sachant que dedans, il y a les bobines vides de couture, parce que ça m'avait servi en fait pour faire, pour pouvoir l'enrouler correctement et faire une boule correcte. Ce que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rebobiner cette petite bouboule avec mon bobinoir pour voir exactement combien de grammes il me reste. Parce que là, en fait, c'est trompeur. Je sens qu'il y a la bobine en dessous là, toute dure. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai. Après, c'est des coloris qui. C'est un coloris qui va avec, avec pas mal de choses. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de mon Hour Sweater que j'ai bien avancé. C'est un modèle de Sari Nordlund. Mais qui a la particularité de se tricoter du bas vers le haut. Sauf que j'ai fait pas mal d'erreurs. En fait, quand je suis arrivée au bout de ma laine, j'avais plus assez de mohair, donc j'en ai recommandé. Donc il risque d'y avoir un changement de couleur qui va s'opérer à ce niveau-là. Et donc je me suis dit, il faut que je détricote sur quelques rangs, tout ça, pas pratique. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs dans le raglan. C'est-à-dire que normalement, vous avez deux mailles au centre et les diminutions qui se font de chaque côté. Et moi, il y a un moment où je me suis plantée dans les diminutions. Ce qui fait qu'au lieu de laisser deux mailles au centre, j'en ai laissé qu'une. Donc déjà, c'est la première erreur. La deuxième, c'est qu'en fait, quand j'ai compté mes mailles, quand je suis arrivée à peu près à ce niveau-là, je n'ai pas le bon nombre de mailles. Donc à un moment, au lieu de faire des doubles diminutions, enfin de faire knit together, j'ai tricoté trois mailles au lieu de deux. Et en fait, ça se voit, et je suis pas satisfaite, et je le sais. Et depuis, j'ai laissé mon projet en stand-by, alors même que j'ai reçu la laine de The Woolly Skein. Donc, il n'y a pas de mystère. Je vais démonter le pull jusqu'au niveau des manches, en fait, jusqu'à l'insertion des manches dans le corps. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça m'avait pris du temps, mais en même temps, j'aime pas le travail à moitié fait. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc j'en suis là, donc autant dire que j'avais très très bien avancé. Vous voyez, il va falloir que je détricote au moins jusqu'ici. Mais je ne sais pas si vous allez vous rendre compte que mes diminutions qui se faisaient là, progressivement se font là. Et encore jusque-là, ça va. Mais ça là, c'est pas possible. Ça va se voir, ça va faire moche. Sauf que je ne sais pas à quel moment. Je sais pas à quel moment j'ai perdu des. À quel moment j'ai fait n'importe quoi dans mes diminutions ou mes augmentations. Donc je vais détricoter. Je sais pas. Aujourd'hui, je me dis, c'est le moment ou jamais. Parce que sinon, je le reprendrai jamais. Et ça me permettra de faire mon alternance des chauds. Là, la couleur que vous avez n'est pas du tout la bonne. En vrai, c'est un marron beaucoup plus foncé chaud. Mais bon, là, il n'y a pas de luminosité. J'ai dû mettre la lumière de ma pièce. Donc voilà. J'ai oublié de préciser que je vais rebobiner les deux laines ensemble, hein, mohair et merino. Je vais pas m'amuser à les détacher parce que ça va être le carnage.